Sois le bienvenu. Quelles sont les nouvelles? Ça y est, Malam a fait une nouvelle victime. Alors la mission qui t'a été confiée touche à sa fin. Et ton honneur te sera rendu. Une question, maître. Puis-je? Parle, je t'écoute. Pourquoi ces hommes, Jubahir et Sibrand? Ah, ne vois-tu pas? Ils ouvrent la voie au changement. Il ne faut jamais attendre que la menace se précise pour intervenir. Les affaiblir revient à affaiblir notre ennemi. J'y vois plus clair à présent. Si ces hommes poursuivent leur mission, c'est la nôtre qui s'en trouvera compromise. Est-ce possible? Nous leur avons causé beaucoup de pertes. Il ne suffit pas de frapper. Imagine que tu affrontes une hydre. Chaque tête qui tombe est aussitôt remplacée. Il nous faut trancher la tête immortelle pour en finir. Mais le moment n'est pas encore venu. Il ne reste plus qu'un seul homme qui se dresse entre nous et notre but. Je me remets au travail. Plus vite nous l'aurons éliminé, plus vite je pourrai affronter notre véritable ennemi. Avant que tu ne partes, moi aussi j'ai une question à te poser. Allez-y. Quelle est-elle, cette vérité? Nous n'avons foi qu'en nous-mêmes. Nous percevons le monde tel qu'il est. Nous prions pour qu'un jour l'humanité fasse de même. Et qu'est-ce que le monde? Une illusion. Nous pouvons nous y soumettre, comme beaucoup, ou la transcender. Pourquoi la transcender? Pour admettre que rien n'est vrai et que tout est permis. Les lois n'émanent pas du divin, mais de la raison. Je réalise maintenant que notre credo ne nous ordonne pas d'être libres. Il nous ordonne d'être sages. Comprends-tu maintenant pourquoi les Templiers sont une menace? Nous voulons dissiper cette illusion. Eux s'en servir pour régner. Exactement. Pour façonner le monde comme ils l'entendent. C'est pourquoi tu t'es emparé de leur trésor et que j'ai mis celui-ci sous clé. C'est pour cela que tu dois les tuer. Si un seul d'entre eux survit, survivra aussi leur désir de créer un nouvel ordre mondial. Prends ton équipement. Trouve le dernier homme. Quand il sera mort, Robert de Sablé sera enfin vulnérable. Ce sera fait. Que la paix soit avec toi, Altaïr. Et salut à tous et à tous les amis, c'est FreddyDo78, on se retrouve pour la suite et bientôt la fin donc de Assassin's Creed. Pardon, enfin. Alors oui, la Ligue des Champions va continuer, vous inquiétez pas. Je sais que vous attendez le match retour. Mais je ressens une envie de finir ce jeu. Donc la Ligue des Champions sera finie. Quand on aura fini Assassin's Creed. Oh, pas son merde, elle va directement au bureau. Quand on aura fini Assassin's Creed. Si vous vous êtes remarqué, quittez les lieux. Il voilà. Est plus prudent de se faire un peu oublier des passants. Franchement, on s'en bat les couilles. Je ferai un let's play d'un jeu où je n'ai pas le choix. Entre guillemets. Pas le choix, pas parce que je l'aime. Pas le choix parce que j'ai perdu un pari. Puisqu'en fait. Vous savez tous que mercredi Paris a fait match nul de partout contre Manchester City. Et comment dire? Et en fait ce qui se passe, c'est que j'avais fait un pari avec un pote où je lui avais dit de toute façon Paris va battre à Manchester City et tout, ce qui n'a pas été le cas forcément. Lui avait parié pour un match nul. Il a perdu la tête ou quoi? Voilà. Donc le perdant devait faire le pari, enfin devait faire le défi que l'autre avait décidé. Donc étant donné que j'ai perdu le pari, on m'a dit, enfin du moins il m'a dit, pardon, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge qui veut pas partir. Tu n'as pas le droit d'être ici. Et en fait, pourquoi il a sauté? Et en fait, donc, ce jeu, tout simplement, enfin,
J'ai un peu spoilé le truc. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Donc, du coup, son pari... Ça a été tout simplement... que je fasse le let's play, donc, d'un jeu... Que lui a décidé. Donc, j'ai dit, ok, pas de problème, tout ça, bon, voilà. Et il me fait... Ton jeu, je l'ai trouvé. Soyez vigilants, il va revenir. Sans vous mentir, j'y crains au pire. Le pire étant arrivé... Il m'a dit, je te mets au défi de faire le let's play d'un jeu sur PS1 qui s'appelle tout simplement l'Eras Moquette. Non. Et donc ce jeu, tout simplement... Alors... Oh ! Bienvenue au club. Ah non, pas 40 000 hein. Voilà. Alors, attends, comment monter sur cette tour, là? Et donc, le let's play qui m'a dit... Qui m'a proposé... Oh, putain. Ah, je suis grillé partout, là. Ça, c'est clair. Et donc, le jeu... Excusez-moi. Donc, le jeu qu'il a décidé, c'était sur PS1. Et le jeu, c'est tout simplement les Eras Moquette. Je lui dis ok, puisque je suis bon joueur. Donc je suis bon joueur, j'ai dit ok. Donc, une fois qu'on aura fini Assassin's Creed, ne vous attendez pas à un super let's play qui déchire sa race, excusez-moi l'expression. Tu n'as rien à faire ici. Merde. Par contre, juste une question, tu montes par où là? Putain, mais tu montes par où là? Attends, on va grimper là-dessus. Moi, c'est pas que je veux pas, mais... J'ai une idée. Voilà. Mais qu'elle était bonne, cette idée. Donc voilà, donc une fois qu'Assassin's Creed sera terminé, j'accepterai mon pari. Voilà. Bon, maintenant, faut trouver... Il est où? Ah, il est là. Donc, voilà, donc... Et une fois que je débuterai le let's play... Alors, je l'ai testé. Je vous le dis honnêtement, je l'ai testé. Et donc, je commencerai par vous faire visiter la maison. Franchement, je me rappelle même plus de leur nom. C'était un nom assez amusant, mais je m'en rappelle vraiment plus. Je suis vraiment désolé. En même temps, je regardais ça quand j'ai à l'époque des Minicums, si vous vous en souvenez. Bon, on va passer par là, ce sera plus simple. Si vous vous souvenez bien évidemment des... Je lui prends lui, comment il a fait même pour me griller. Non, il me faut vraiment une échelle.
Voilà. Donc je vous ferai visiter donc leur maison en priorité. Donc je sais pas combien de temps durera la vidéo. Et ensuite, en plus ça tombe, c'est là que je dois monter. M'en dégager, s'il vous plaît. Et toi t'es monté. Il est con, pourquoi il est monté? Mais montez pas, putain, sérieux. Et donc, alors si jamais vous retrouvez le nom de famille. Alors je me rappelle qu'il y avait Casse-Bonbon. Le binoclard, ou je sais plus comment trop ils s'appelaient. Il y avait les jumeaux, mais par contre je sais plus leur nom, leur prénom, je suis vraiment désolé. Et j'aurais dit ça à l'époque des Minicum, donc vous voyez à quel point ça date. Oh là là, j'ai encore tout sans poids. Oh là 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 là. On va pas tout faire, hein, les amis, aujourd'hui. Hein. Bon là, ça veut tout dire. Ouais. Donc, messire, bien sûr. Mais tu peux toujours pas monter là. Putain, mais tu montes comment là? Les moines, vous êtes où? Oh là, oh là, oh là, c'était pas ce que je voulais faire. Sous les moines. C'est vrai. Et puis après, donc, on commencera forcément les épisodes. Non, c'est bon. Ah bah ça passait, d'accord. Ah, c'est la grande tour là-bas, d'accord. Ah mais c'est car... Ah, il y a un phare carrément. Ah, c'est magnifique ce coin-là, je le connaissais pas, vous voyez. Allez, tu me touches, t'éclates. Ah mais tu vas par où là, en fait, là? Je comprends pas. Là, si je vais dans l'eau, je suis mort. Non, toi, je te sens pas, toi. Et arrête de pousser des cris, tu me fais peur. Vous savez, dans quel assassin... D'accord, alors il y a le truc à côté, il préfère plonger dans l'eau. Vous savez dans quel Assassin's Creed je me crois là? C'est franchement dans le Assassin's Creed... Merde, Black Flag. Oh putain. Bien. T'as pas d'argent, je m'en bats les couilles. C'est pas mon problème. T'as qu'à bosser, t'en aurais. Premier qui me touche, je l'éclate. Merci. Et donc voilà. Donc suite à ce pari perdu, il y aura un let's play pas prévu du tout sur ma chaîne. Mais putain, mais dégagez! Mais voilà, putain. Donc voilà, c'était un let's play qui n'était pas prévu, mais que je suis obligé de faire. Hein. Je suis réglo. Et forcément, ça me ramène au même endroit. Allez, hop. Eh mais oh. Oui madame. Et voilà, je suis grillé, pourquoi? Parce qu'on m'a poussé, allez vas-y. Va te faire ce que je pense. Loupé. Mais il fait pas du tout ce que je lui demande. Qu'est-ce que tu veux faire avec un personnage pareil? Altair, franchement, je crois que c'est le personnage le plus raté de la série. Non mais... Ah, t'as qu'à voler. Si tu m'emmerdes. Loupé. Moi franchement je vois que ce petit coin à passer. Me touche pas.
Bon, ça, vous me direz, je suis en train d'y repenser, un let's play Razmoket, ça peut être assez amusant. Voilà, pour rigoler un petit peu. Alors là, on va éviter de redéconner. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Enfin. Que s'est-il passé ici ? Je sais pas. C'est une bonne question. Ah, j'allais dire, tu peux pas grimper, t'es sérieux? Ça m'a fait peur. Alors, je sais qu'aussi que beaucoup d'entre vous attendent aussi des let's play genre Metal Gear et toute la bande, voilà, enfin voilà. Personne, c'est bon. Voilà. Ça viendra aussi, vous inquiétez pas. Juste que je vais honorer quand même mon pari avant. Pour qu'ils voient que bah, je suis avec l'eau. Comme... Wouhou ! Plouf ! Altaïr, t'as un cerveau, serre-toi-en. Et fais ce que je te demande, ce serait pas mal. Bon, ça c'est fait. On plouffe. Ah, si je passe à droite, ce sera peut-être mieux. Je l'avais pas vu. Je suis vraiment désolé. Je crois que j'ai fait tomber le mec à l'eau, mais je suis pas sûr. Écris pas comme ça, ça fait peur. Ah, qu'est-ce que j'ai? Ça te regarde pas? Chimie problème! En fait, je sais pas pourquoi je passe par là. Bon, on sort par où là? Trouvé. Coupé. Oh putain, mais lâchez-moi, sérieux! Et moi j'ai envie de m'échapper à. Et voilà. Donc je pense que ça doit être la tour qui doit être là-bas là. Juste en face de. Je vais attendre qu'il dégage. Alors si c'est la tour qui est là-bas, elle est bien gardée. Hein. Tu m'as pas vu. Comment je t'ai niqué ta mère? Ah bah non, apparemment c'est celle-là plutôt. Effectivement, c'est celle-là. Non mais, voilà. Et je voulais dire aussi, quand on aura fini la Ligue des Champions 98-99,
On attaquera la saison 99-2000 de la Ligue des Champions. Avec tout simplement les Girondins de Bordeaux. Je sais que ça peut faire plaisir à pas mal de supporters. Sachant que Marseille y est aussi, mais forcément en étant parisien, je peux pas jouer avec Marseille. C'est plus fort que moi. Je suis vraiment désolé pour tous supporters marseillais. Donc voilà. C'est vrai. Maudit voleur, je te ferai trancher la main. Allez, grimpe. Petit Altaïr. Donc là, on espère vraiment que l'Arsenal gagnera cette Ligue des Champions. C'est pas évident. Même si les clubs qualifiés me permettent de me dire que c'est possible. Parce qu'on peut pas dire que c'est vraiment des gros clubs qui sont... n'a pas le droit d'être ici. D'accord, bah je me casse. Tu me gênes dans ma quête. Allez, allons sur le toit de l'église. Oh, domine pate, je sais pas quoi, là, je sais pas comment ils disent. Ah, et puis alors là, faut que je monte carrément sur la croix. Là. Synchro. Fallait peut-être que je me grimpe sur le truc, enfin je sais pas, bref. Alors, but du jeu, trouver. J'ai trouvé. Voilà. Ensuite, pour l'acquisition ici. Donc faut faire demi-tour. Ok. Je crois qu'il y a quelqu'un là. Mais ta gueule, mais je m'en bats les couilles que t'es faim. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer la vermine. Oula. Il n'a pas le droit d'être ici. D'accord. Là tu vois plus, je m'en bats les couilles. Enfin voilà, donc des petits let's play qui vont vraiment pour en venir à ce que je disais, bien évidemment, des petits let's play qui j'espère vous plairont. Ensuite, le prochain, bah, il est pas loin, juste là. Bah, c'est de regrimper. Allez, blanc, hop. S'il se fait mal, je ne l'aiderai pas. Tu paieras cher pour tes crimes. Il me voit là-bas. Je vois sur quoi je dois monter. Oh putain, merde. Ça fait même pas où je suis, t'es sérieux? Bon, le l'aigle ou je sais pas quoi, tu dégages? Merci. Ou le faucon. Peut-être un vrai con, je sais pas. C'est pas vraiment en fait. Ouais, on va attendre un peu. Mais on va se procurer l'autre dernier point. Et à mon avis, il y a pas mal de petites missions à faire. Voilà, c'est bon.
Non mais, grimpe. Merci. En plus, c'est un truc super là. Bingo. Ah, faut que je grimpe là-haut. Ah, excusez-moi, je suis juste en train de regarder où est-ce que je pourrais monter. Mais j'ai peut-être une idée. Arrête de rigoler comme ça, ça fait peur. Non, tu m'as pas vu. J'étais pas là. Voilà. Qu'est-ce que tu me fais? N'avance plus. Ça c'est fait. Pourquoi tu fais genre t'as mal, tu sais? C'est où? Merde. Petit fail, excusez-moi. Je suis monté trop haut. Voilà, synchro. Donc voilà, c'était les petits points de synchronisation qu'on fait aujourd'hui. On a quoi, honnêtement? Défi informateur, assassinat, protection. Excusez-moi. Alors, ce que je vous propose, faire un petit peu d'espionnage. Alors, qui faut-il espionner? Voyons voir. Où est-ce qu'il va? Par pitié, dites-moi au moins ce que j'ai fait de mal. T'es une pute. Ah, ce que t'as fait de mal. Ah, apparemment, faut observer à la barrière. La situation empire. Il n'y a plus de limite à ces divagations. Il a doublé nos gardes. Plus personne ne dort. C'est insupportable. Jusqu'à ce qu'il s'établisse dans le port. Il prévoit quelque chose en mer. C'est pour ça qu'il est ici. Que prévoit-il? Qu'est-ce que cela signifie? Que faites-vous là à chuchoter à l'écart? Hein? Vous complotez? En aucune façon. Nous étions seulement... Seulement quoi? Quel secret gardez-vous? Vous ah, hein. Me prenez? Ces misérables assassins, ils sont probablement là à nous observer. Cela vous amuse? Eh bien, riez! Pendant qu'il en est encore temps. Alors restez. Doublez les rondes! Lesquelles? Toutes les rondes! Nous n'avons pas assez d'hommes. Trouvez-en! Rappelez nos chevaliers au combat s'il le faut! Essayez de t'approcher pour voir. Non, ne partez pas! Prévenez-moi si vous l'apercevez. Quelques pièces! Eh ben moi je dis c'est quand même pas des rigolos. Hein. Et donc on va faire... Non c'était pas ça... Dérober. Donc après, ça va être sur la gauche, pardon. Ah! Ça m'intéresse. Désolé. Dégage. Et arrête de me courser, toi, sinon je te fous une gifle. Ah, c'est encore derrière. J'ai peur, hein. Vous pourriez faire attention. À mon âge, le moindre accident peut être fatal. Alors attends. Ce serait dans la ruelle ici, à mon avis. Je me demande où il va. Venez, venez voir mes marchandises. Tout ce que tu cherches, retrouvez-les ici. Vérifie par toi-même. J'ai une idée.
Dites-lui que je refuse. Je ne vais pas laisser de misérables soldats s'occuper de mes affaires. Écoutez, vieillard. Non, vous, vous allez m'écouter. Je suis chez moi. Je ne lui céderai pas, fut-il envoyé par le Christ lui-même. Ce n'est pas une requête, c'est un ordre. Voilà qui est fort. Cet homme n'a aucun sens du commandement. J'ai vu la pagaille qu'il a semée sur le port. Il n'en fera pas de même chez moi. Lisez la lettre. Les conditions qu'il pose ne sont pas si mauvaises. Je suis las de tout ceci. Bien, je vais réfléchir à son offre, mais il y a peu de chances que je change d'avis. Maintenant, partez, hors de ma vue. Garanti. J'ai tout ce que tu cherches. Je ne sais pas ce que tu cherches, ami, mais je l'ai forcément. Voilà. Ah. Bon. M'embête. Il m'embête. Secours. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura... On va s'arrêter là, bien évidemment. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis bon, on se retrouve pour la prochaine partie. A bientôt, bye bye.